un représentant des usagers a une double mission. Il veille au respect des droits des usagers, il prend connaissance de leurs plaintes et il peut les accompagner dans leurs réclamations s'il le souhaite. Il contribue à l'amélioration de la qualité de l'accueil et de la prise en charge des malades hospitalisés et de leurs proches. Tous les trimestres, nous prenons connaissance des réclamations reçues à la clinique. Nous formulons nos préconisations pour l'amélioration de la prise en charge dans les différents domaines qui ont fait l'objet d'une plainte. Nous participons à des visites pour visualiser l'accessibilité des chambres, des salles de bain, la signalétique, le matériel mis à la disposition des soignants. Lors d'une visite de l'établissement, et en particulier des chambres et des salles de bain, nous avons remarqué que les personnes hospitalisées prenaient leur douche assises sur un tabouret. Nous avons posé la question aux soignants. Ils nous ont répondu qu'il n'y avait pas suffisamment de fauteuils de douche. Nous avons donc préconisé de prévoir l'achat de plusieurs autres fauteuils, ce qui a été acté. Nous avons été associés pour choisir le modèle avec les soignants concernés et le fournisseur. Cet achat a permis de plus sécuriser le malade et de faciliter le travail des soignants.